Donc objectivement, les PME y trouvent un intérêt dans le développement de leur, dans leur recherche et développement, dans l'accès à des financements et dans un certain nombre de services qui sont proposés par les pôles de compétitivité. Par contre, ces services mériteraient d'être mieux marketés, mieux promus auprès de ces entreprises, parce qu'encore trop peu, dans un bassin donné, ont même la connaissance de tout le potentiel que peut leur apporter un pôle de compétitivité. Alors, derrière cette question se pose en fait le rapport entre les PME et les grands groupes dans ces gouvernances. En fait, c'est pas le sujet dans la mesure où on trouve des pôles très performants qui ont à leur tête un grand groupe ou des PME, et on trouve aussi des pôles pas performants du tout qui ont à leur tête un grand groupe ou le contraire. Donc c'est vraiment une affaire de volonté des individus, de compétence des individus, et là l'apport des grands groupes dans les pôles de compétitivité est essentiel, la connexion avec les PME est essentielle, mais ceux qui le font, c'est vraiment une affaire d'hommes. Alors, il y en a plusieurs, mais je crois que la principale serait de renforcer la coopération interpôle, dans la mesure où la vocation des pôles est de favoriser l'innovation. Et cette innovation, chacun sait maintenant qu'elle émerge dans les zones d'intersection de filières différentes. Les vraies innovations de rupture viennent de ces zones. Donc la coopération interpôle me paraît vraiment l'axe le plus important pour faire émerger des projets innovants.